Ce coup-là, c'est moi qui les ai dépassés. Tchuss d'Olivier, alias Monsieur Voilà. Aujourd'hui, je me trouve à RN. Et à RN, devinez ce qu'il y a? C'est facile, c'est la Saint-Clément. Allez, c'est parti, je vous y emmène. Donc, on va aller voir des artisans, faire des petites interviews, découvrir ce que la Saint-Clément va nous montrer et ce qu'elle a à nous offrir. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Il y a une excitée derrière. T'as fini, Neddy? Moi, tu pressais pas, pas gnagna. Donc me voilà arrivé à la Saint-Clément, apparemment il y a des stands aux abonnés absents. Parce que là juste à bas gauche, en temps normal, vous avez des exposants. Là cette année, il n'y en a pas. Enfin, l'année dernière, Covid, il n'y avait pas eu du tout de Saint-Clément. Bon, on va découvrir ensemble, c'est parti. Il est dit qu'il commence. Là on est du côté habits, vêtements. Donc, les exposants qu'on retrouve sur d'autres foires, évidemment, n'hésitez pas à venir acheter, à venir vous habiller pour avoir chaud à vos fesses. Voilà, alors ça, c'est pas mal. C'est pas une arnaque, c'est pas un coup Macron, ne vous inquiétez pas. Je vous annonce, c'est marqué remis des photographies sur le podium. Voilà également, c'est un très honnête. Alors là, si vous prenez par contre, monsieur là. Donc, je vous le deux derniers, je me suis là. Donc là, je me trouve sur le stand d'un monsieur qui est, écoutez, il est génial, il est sympa, on se marre bien avec lui. Donc, fixe court, donc je vous fais la pub pour ce qui est de l'enseigne, là, voilà. Donc, on n'oublie pas que ça va être la Saint-Sylvestre. Puis la Saint-Sylvestre, bah, on va faire la fête, il y a Noël, tout ça. Ah, oh, Jean du Jardin, voilà. Tu vas bien? Dans la gaufre. Expliquez-nous tout. Alors, la gaufre aujourd'hui, parce que bah, c'est l'hiver, une petite gaufre, c'est plus sympathique. Et puis voilà, puis après, vous pouvez me retrouver au moment des fêtes à Fixe Secours du mardi au samedi de 14h30 à 19h. Et vous avez vu, il porte bien son masque. Hein. Voilà. Je recule pour qu'on voit bien le stand. Les petites gaufres tranquilles. Ah, excellent. Ouais. Donc là, on est une star. Ah, le propriétaire. Ah, c'est voilà. Super. Bon, bah voilà, ils savent ce qu'il leur reste à faire s'ils ont besoin. Plaisir. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Alors, à la Saint-Clément, puis même tous les jours d'ailleurs de l'année, vous avez à RN un fleuriste. Et actuellement, il fait de superbes créations, donc je vais vous les faire découvrir, je vous les montre en images. C'est pour vous. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour au fleuriste de RN et puis à lui passer commande tout simplement. Waouh, pour les fêtes, faut y penser. Bon, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé avec modération. Donc voilà, pour les petits artisans. Donc à Gapelle, au-dessus de Saint-Riquier, n'hésitez pas à passer commande, allez y faire un tour. Lady qui est excitée, bien évidemment. Là, je suis sur un stand d'un monsieur, regardez, alors là, il y a tous les parfums. On présente le monsieur, bonjour monsieur, la gentillesse de me laisser filmer. Avec plaisir. Donc il fait plusieurs saucissons, donc regardez, vous ferez une petite pause sur la vidéo. Et pour l'adresse mail, bah écoutez, c'est simple, si vous voulez passer commande, on peut vous passer commande, j'imagine. Oui, bien sûr, oui. Là, voilà. Et c'est charcuterie de catalogue sur Facebook. Ah bah c'est super ça, voilà. Là au moins ils sont informés. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et les cloches des rennes sonnent encore, il est l'heure du midi, bah, il est l'heure d'aller manger là. La messe, elle est finie. Et ce qui est super comme tous les ans, c'est qu'on a nos amis forains qui sont toujours au rendez-vous. Donc tous les ans, vous les trouverez, ils sont ici à la 5e de RN. Il n'y a pas de problème. Alors là, il y a des petits jeunes. Je sais que sur ma chaîne, j'ai des abonnés, ça va vous plaire. Donc là, pour la carte, donc c'est Freddy Denis. Donc outillage et loisirs, il fait pas que ça. Vous allez voir, il en fait pas mal. Ah, regardez, hey. Il fait des motos, des petites dirt, tout ça. Mais c'est rien que pour vous, regardez. N'hésitez pas à aller faire un tour à sa boutique, à passer un coup de téléphone. Là, les engins que vous pouvez trouver, les prix, regardez, c'est carrément abordable. Hein. Donc évidemment, ça, c'est dans les chemins de terre, hein, c'est pas sur la route. Je pense qu'ils vous le diront là-bas à la boutique. Donc là, pour les engins. Et là, il y a de quoi faire. Hein. Ça, je sais, mais... Et les prix sont relativement, bah, alors écoutez, abordables, clairement. Une petite idée cadeau, allez, pour le gamin. La Mercedes ou la BMW, pourquoi pas électrique. Et là, pour le côté outillage. Donc il y a de quoi faire. Donc voilà. Denis, il est là-bas. Merci à vous. Merci.
C'est sympa. Tiens, elle est dit, elle est sage là. Non, j'ai parlé trop vite. Photographique. Pas de soucis, madame. Alors, pour la rôtisserie, regardez bien ça. Ne me dites pas que ça vous fait pas envie, là, franchement. Mais vous allez vous perdre. Donc voilà. Ah, je suis sur le stand d'un monsieur et d'une dame qui est sur le côté. Je ne filmerai pas par respect parce qu'elle s'est mise sur le côté. Donc, c'est un monsieur, c'est un apiculteur. Donc, il fabrique son propre miel. Donc, c'est ses abeilles qui le fabriquent. Lui, va le récolter. Donc, voilà le monsieur. Expliquez-nous tout. Bah, moi, je suis apiculteur à Revel. Je produis mon propre miel et je vends sur les foires. Et dans les petits commerces des alentours. Il n'y a pas d'additifs dans celui-là, il est nickel. C'est-à-dire que c'est le vrai miel, le vrai c'est de vrai. Le vrai miel, c'est... Ah bah là, il n'y a pas photo, donc je vous fais un coup de pub, c'est normal. Hein. Voilà. Donc là, pour le numéro de téléphone, vous avez tout. N'hésitez pas à passer un coup de téléphone, puis passer à la boutique. Vous avez une boutique, j'imagine? Non. Moi, personnellement, c'est moi directement. C'est vous directement? Voilà, ou alors commerce du village. Puis je vois qu'il y a des diplômes là, regardez. Ah oui, c'est ça. Regardez-les là. Ah, c'est superbe, chapeau bas. Hein. Bah écoutez, je refilme encore une fois le numéro de téléphone pour qu'on le voit bien. Et merci à vous, monsieur. C'est moi qui vous remercie. La commune des Rennes a pensé absolument à tout. Au cas où vous faites un petit bobo, on ne sait jamais, un malaise dans la Saint-Clément, écoutez, la Croix-Rouge, elle est présente, elle est là, et c'est pour vous. Alors là, je suis sur un stand. C'est la première fois que je vois ça à la Saint-Clément. Peut-être qu'un jour, je passe à côté, puis j'ai du biglé, puis je ne l'ai pas vu. Donc le stand, il appartient à Hubert. Bonjour Hubert, expliquez-nous tout. Alors en fait, je tiens un stand de coturniculture. C'est simplement l'élevage de caille. D'accord. Donc, c'est un élevage amateur, bien entendu, mais déclaré quand même. D'accord. Voilà. Donc je produis principalement des œufs de caille. À partir de la caille du Japon, qui est une caille spécialement pour l'élevage et la ponte. Voilà. Si vous voulez, je vends donc les œufs pas cher, parce qu'on a toujours idée que le produit œuf de caille, c'est un produit de fête. Eh ben non, c'est un produit de tous les jours si on veut. On peut consommer toute l'année. Toute l'année. Ouais, voilà. Il n'y a aucun souci. Moi, c'est 2 euros la boîte de 12 et 3 euros la boîte de 18. Vous voyez, c'est très raisonnable. Et en plus, c'est un produit qui est très bon. Ils sont là, hein. Pour la santé. Regardez. Voilà, regardez les œufs. Ah ouais, ce qu'il faut savoir, le blanc d'œuf, c'est de l'albumine et c'est une des protéines les plus pures au monde. Exactement. Donc c'est riche en protéines. C'est riche en fer pour le jeune et puis le sucre, les glucides, les protéines, tout. Et c'est très riche en vitamines et en phosphore surtout. Ah, faut savoir ça. Voilà. Donc si vous voulez, je suis aujourd'hui à Saint-Clément, mais je suis également présent tous les vendredis après-midi sur le marché des Rennes et le samedi matin au marché de Oisemont. Ça, c'est bon à savoir, ça. Voilà, c'est très bon à savoir. Mon élevage se situe à côté de la ville de Oisemont, donc je peux vous y accueillir. Vous pouvez passer commande, il n'y a aucun problème. Génial. Eh, maintenant, vous savez quoi faire. Je vais faire un petit recul pour que vous voyez le stand. Donc le voilà. Je sais pas trop bouger avec la caméra. Vous avez bon l'adresse, le téléphone, là, vous avez vraiment tout. Hein. Écoutez Hubert. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis, à la prochaine. À la Il y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Exactement. Donc à Rennes, on peut acheter des tondeuses. C'est donc un magasin à la tondeuse et puis des tronçonneuses. Et juste à côté, il y a un salon de coiffure qui vient d'ouvrir. Et le salon de coiffure, il est ouvert depuis 2 mois seulement. Donc je vous présente les propriétaires. Ils sont là. Bonjour messieurs. Bonjour. Expliquez-nous tout. On est ouvert depuis 2 mois, on coupe la barbe particulièrement, d'accord. Les cheveux, enfin hommes. De toute façon, on voit sur vous, ça se voit tout de suite sur vous, c'est la classe. Hein. C'est ça, on a pu expliquer ce que vous faites en fait. Donc on fait hommes et femmes, la barbe aussi bien sûr, et puis on vend des produits après rasage. D'accord. De la cire coiffante. Il y en a, ils la mettent sur la barbe, la cire coiffante. J'en vois, ils le font, ça. Je sors peut-être une connerie, non? Oui. Ouais, je sors de la connerie. Non, mais c'est ça, c'est l'après-rasage. Ah, c'est ça, voilà. C'est l'après-rasage et tout ça, mélangé avec haute cologne, tout ça, donc c'est tous ces trucs-là. Puis moi, je suis pas un expert, parce que regardez pourquoi. Même moi, je rase tous les cheveux, il n'y en a plus. Donc voilà, je vais vous faire le petit coup de fil avec le numéro de téléphone. Oui. C'est sur rendez-vous, pas forcément? Avec ou sans. Avec ou sans rendez-vous? Oui. Bon, c'est super. Bah écoutez, c'est dans la boîte. Des masques et tout ça, hommes, femmes, ah, bah, regardez. Aussi, bien sûr. Il y en a total. Même les hommes, ils ont besoin de... C'est super. On va dire. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Merci à Salut. Vous. Salut. Merci beaucoup. Donc je continue ma promenade dans la Saint-Clément, donc je garderai le meilleur pour la fin, donc les stands aux animaux,
les vaches, les chevaux, les moutons, tout ça, on va faire découvrir ça à Lady. Et donc là, on va aller vers les petits artisans, je pense qu'il y en a encore, on va les trouver. Et derrière moi, il y a Boucherie Charcuterie que vous connaissez. Vous la connaissez, pour ceux qui suivent ma chaîne, bah José, avec son fameux boudin puis ses tripes, ça va José? Impeccable. Ah génial, ça va, ça vend bien, il y a des clients. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Oh bah c'est top. Un petit coup de pub quand même, hein. Donc n'hésitez pas à venir commander, parce que hey, les fêtes, ils arrivent, on n'en est pas loin. Nouvel an, puis Noël. Bah José, merci, puis bonne continuation. Monsieur, voilà. Deuxième au championnat des meilleurs apprentis. Explique-nous tout, jeune homme. Bonjour. Bon, bah, je me suis inscrit au championnat des meilleurs apprentis de France. Je suis sélectionné. Oh, génial. Voilà, impeccable. Voilà ce qu'il faut faire à l'école, faut apprendre. Voilà. Fini deuxième, c'est ça? Voilà. Oh, c'est génial, ça. Et là, on part en régional. En régional, d'accord. Voilà. Ah, c'est beau ça. Grâce au bâton. Donc, hein, c'est grâce à José. Voilà. Donc ça, c'est un jeune homme qui a de l'avenir, ça. J'espère. On peut l'applaudir. Superbe. Bon José, à la prochaine. Bonne continuation. Merci, salut. Donc me voilà arrivé sur la dernière ligne droite de la foire de la Saint-Clément. Et c'est juste en face de moi. Donc on fait un petit demi-tour. Donc là, c'est les animaux. Et on va les découvrir ensemble. Et puis avec Lydie en plus. Alors là, Lydie, elle sait plus où mettre de la tête. Regarde ma fille. Lydie, elle est pas contente. Hein. Il y a quelqu'un qui a oublié ses chaussures, là, regarde. C'est pas toi, Natacha, qui a oublié tes pompes, là. Alors là, il y a du matos. C'est moi. Hey, j'ai oublié mon matériel. En fait, non, c'est pas moi. En fait, c'est un monsieur de chez France 3 Picardie qui est venu faire également un reportage. C'est voilà. Ça. Donc là, c'est pas pour la chaîne du monsieur. Voilà, c'est pour la chaîne de France 3 Picardie. Voilà. Bien sûr. Donc on pourra voir votre vidéo quand approximativement? Eh ben, il faut regarder le JT France 3 Picardie ce soir. Ah, ça va être ce soir. Moi, je vais regarder forcément. Je serai rentré, je pense, à 19h. Là, bien sûr. Bah, écoutez, merci. Avec plaisir. Bah, c'est top, vraiment. Ils sont sympas. Hein. Donc pour les gens qui se souviennent, bon bah alors, j'avais fait une interview avec une dame, permettez que je vous filme. Regardez la vache avec les taches. Bon bah là cette année, regardez, je vous montre pour ce qui est du numéro de téléphone pour les contacter. Donc voilà ce que ça donne, donc ils font leur pâté eux-mêmes. Eh, ça peut être intéressant, hein. Faut goûter quoi. Bah écoutez, merci beaucoup. Là on a les cosmétiques des Danais. Alors ce monsieur là on l'avait déjà vu, puis la dame, parce que je sais qu'il y avait une dame. Donc c'était au marché de Noël de la ville 2 il y a quelques années, c'est sur ma chaîne YouTube. Et donc il me semble qu'il y a leur fille, si je dis pas de conneries, elle était Miss France, c'était quelle année dites-moi? Parce que c'est caché sur la photo. C'était dans les années 2000. Ah, c'est que c'est caché sur la photo. Bon, en tout cas, c'était dans les années 2000. Et puis voilà, pour le petit coup de publicité. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Donc, Lydie ne savait plus où mettre de la tête, là, sur la foire aux animaux. Donc, tous de monsieur, voilà, plus pour une future vidéo. Dieu seul sait où elle nous mènera. Et j'ai eu le bonheur et le plaisir de vous faire redécouvrir, et je vous la ferai redécouvrir encore, la Saint-Clément de RN. N'hésitez pas à venir faire un tour l'année prochaine. Si on n'est pas encore confiné. Enfin, en tout cas, je croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Bisous, et puis prenez soin de vous. Salut. Ah, bientôt les copains!